I will address the House in front of all Canadians, in front of Jewish people here and around the world, and Ukrainians, to offer Parliament's unreserved apologies for what happened on Friday. The Speaker was solely responsible for the invitation and recognition of this man, and has wholly accepted that responsibility and stepped down. This was a mistake that has deeply embarrassed Parliament and Canada. All of us who were in this House on Friday regret deeply having stood and clapped, even though we did so unaware of the context. It was a horrendous violation of the memory of the millions of people who died in the Holocaust, and it was deeply, deeply painful for Jewish people. It also hurt Polish people, Roma people, 2SLGBTQI+ people, disabled people, racialized people, and the many millions who were targeted by the Nazi genocide. Every year, there are fewer and fewer Holocaust survivors to share firsthand the horrors of what they experienced, and it is therefore incumbent upon us all to ensure that no one ever forgets what happened. I also want to reiterate how deeply sorry Canada is for the situation this put President Zelensky and the Ukrainian delegation in. It is extremely troubling to think that this egregious error is being politicized by Russia and its supporters to provide false propaganda about what Ukraine is fighting for. Friday's joint session was about what Canada stands for, about our steadfast support of Ukraine's fight against Putin's brutality, lies, and violence. It was a moment to celebrate and acknowledge the sacrifices of Ukrainians as they fight for their democracy, their freedom, their language and culture, and for peace. This is the side Canada was on in World War II, and this is the side we are on today. Dans quelques instants, je prendrai la parole en chambre devant tous les Canadiens, devant les Juifs d'ici et d'ailleurs dans le monde, et devant les Ukrainiens, afin de présenter les plus sincères excuses du Parlement pour ce qui s'est produit vendredi. Le président de la Chambre était l'unique responsable de l'invitation lancée à cet homme et de l'hommage qui lui a été rendu. Il en a accepté la responsabilité et a remis sa démission. C'est une erreur qui a mis le Parlement et le Canada dans un embarras profond, et nous regrettons tous profondément de nous être levés dans la chambre et d'avoir applaudi, même si nous l'avons fait sans être conscients du contexte. Cette erreur est une horrible violation de la mémoire des millions de personnes qui ont péri dans l'Holocauste et est profondément blessante pour les Juifs. C'est aussi blessant pour les Polonais, les Roms, les personnes de ELGBTQI+, les personnes handicapées, les personnes racisées et les millions d'autres personnes persécutées par le régime nazi. Chaque année, il y a de moins en moins de survivants de l'Holocauste pour partager les horreurs qu'ils ont vues et vécues. C'est donc notre responsabilité à tous de s'assurer que personne n'oublie jamais ce qui s'est produit. Je tiens également à souligner à quel point le Canada est désolé de la situation dans laquelle le président Zelensky et la délégation ukrainienne ont été placés. C'est extrêmement troublant de penser que cette flagrante erreur soit politisée par la Russie et ses partisans afin de diffuser une propagande mensongère sur les raisons qui poussent l'Ukraine combattre et à se défendre. La séance conjointe de vendredi illustrait pourquoi le Canada se tient avec l'Ukraine. Elle manifestait notre appui inébranlable à l'Ukraine dans sa lutte contre la brutalité, les mensonges et la violence de Poutine. C'est un moment qui nous a permis de célébrer et de souligner les sacrifices des Ukrainiens qui luttent pour leur démocratie, pour leur liberté, pour leur langue et leur culture, et pour la paix. Ce sont ces valeurs que le Canada a défendues durant la Seconde Guerre mondiale, et c'est ce qu'on va continuer de défendre
aujourd'hui. Merci.